Bam bam bam. Ouaisreux. Bam bam bam. Allez hop. Pendant que je mange ce ce son ce son de taboulé on va s'enjailler euh, à la petite vidéo. Qui, ma foi, euh, je pense, est très intéressante. Ok, pourquoi il n'y a plus de musique Parce que je suis en train de setup. <laughs> Hop là. Hop là. Bon, ce sera forcément plus clair quand on sera tous devant la vidéo. Parce que mon explication était vraiment... Euh... Né, né, né. Sur Twitch, toutes les miniatures sont les mêmes chez vous aussi C'est-à-dire... Je mets sur Didi une capture d'écran. Ok, vas-y, vas-y. C'est le truc du MMO là que je suis en train de voir. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Ouais pareil. C'est quoi ce bordel Bah ouais ouais je vois ça ouais. Je, je suis allé voir direct mec. En vrai ouais, tout pareil. C'est doublé et tout. Euh... C'est pas les bonnes miniatures, pas les bons lives. Bizarre l'ambiance. Bébé bébé Ok. La vidéo s'appelle euh, Quand vous pensez, vous avez une voix dans votre tête euh, pour l'interrogation Incroyable. Ouais, sûrement, petit bug. Euh, faut que je prenne la scène React. React et que je capture ça. Voilà. Ouais, tout le monde là, là. À mon avis, ouais, ça doit être un bug. Mais quand je vois les miniatures, il y a un mec qui dort devant un MMO et il y a de la Formule 1. C'est trop bizarre. Bon, allez. On est revenu avec du gros sujet sur Twitter. Qui a beaucoup beaucoup fait parler. Euh, je crois que c'est Patrick Beau, euh, donc Axolot qui, euh, qui avait mis un tweet euh, lié à ça au tout début, si, euh, si on peut l'afficher, euh, qui a fait parler absolument tout le monde. Euh, c'était un tweet, je crois, d'une journaliste de base. Euh, et Patrick Beau répond :« Je suis fasciné par ceci. Qui parmi vous n'a pas de monologue intérieur, pas de petite voix dans la tête quand vous pensez ou vous lisez Et si c'est le cas, est-ce que vous pensez que c'était pareil pour tout le monde Parce qu'il y a des gens, donc du coup, qui vont se parler tout seuls, qui, par exemple, quand ils vont lire un texte, ils vont avoir une voix qui récite bah, ce qu'ils sont en train de lire. Parfois, euh, j'ai une connerie, mais c'est vrai que Ponce, euh, euh, bah, je lis un. Texte, tes tweets, je le, je le lis avec ta voix quoi. Euh, ouais. Là où des gens en fait ouais, ouais. ne vont rien avoir justement dans la tête, ne pas spécialement se parler ou autre. Et il y a un peu deux camps et chacun des camps on a l'impression se sont découverts juste de. Ah mais putain, mais ah mais toi tu, t en passes, ouais, t toi, moi, tu... entends pas ouais. ce que ouais toi tu vous est-ce que est-ce que justement par exemple euh, ça vous arrive d'avoir une voix dans la tête de vous parler de quand vous lisez par exemple vous euh, bah, vous lisez avec une voix ou alors juste vous lisez mais il se passe rien dans votre tête dans le chat aussi je suis curieux et... de savoir j'ai l'impression là il y a un troisième camp qui vient de se dessiner as dit que tu lisais un tweet de Ponce et tu lisais le tweet de Ponce ouais. avec sa voix ouais. c'est encore autre chose ouais j'ai le DLC moi <rire> <rire> <J 'ai... rire> ça, dans un... encore un ouais, je viens euh... de le mettre récemment <laughs> c'est assez lourd en vrai des trucs ont des voix particulières t'entends les voix particulières non, en fait, ça dépend. C'est juste que quand c'est très identifié à quelqu'un, tu vois. J'ai dit Ponce, mais c'est un mauvais exemple parce que tu t'as pas une voix hyper particulière, tu vois. Mais genre titeuf C'est con, mais tu vois, genre. Je lis un peu de tweets de ça mais été ça. tu lis un tweet de Cobaladé, toi, tu le lis comme ça. Ça savoir avec quoi. Non, mais ouais, tu vois, genre Michou, ça disait Michou un peu, quoi. Il y a un sondage dans le chat. Il imite bien. Mais tu es dans ta tête en plus, tu le sais pas. C'est comme moi, je chante bien dans ma tête. C'est vrai. Et vous, c'est avec votre voix ou avec euh, la voix de de quelqu'un d'autre Et euh... et si vous connaissez cette personne et que vous avez déjà entendu sa voix, avec la voix de cette personne, tu vois Moi, bon, C'est avec ma voix. <laughs> et pour que c'est ça. Bah en fait, moi, j'arrive pas à savoir si j'ai une voix ou pas. C'est-à-dire que effectivement, quand je lis des trucs ou quand ou ce genre de choses ou quand je pense, en fait, je visualise un texte. Mais j'ai l'impression que c'est plus je visualise un texte oui. que je me le dis. Et d'ailleurs, souvent, ce qui se passe, c'est que je mets plus de temps dans ma tête à me dire un truc. Que à le dire vraiment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des fois, je pense à des phrases où je mets plus de temps dans ma tête à imaginer la phrase que finalement le temps que je mettrais pour la dire. Tu serais du jour à prendre des notes et à le dire à ce voix. Que je veux dire. Même euh, bah, en mode en... ça va plus vite. Ouais. Je... Non. En gros, je. Il y, y a une voix, il y a un truc, mais je ne l'entends pas. Genre, je la perçois. Plus je la... je la lis, tu vois entre guillemets. Je sais pas mmh. si vous voyez ce que je veux dire. J'entends pas spécialement une voix. Ok, d'accord. Mais c'est en toi. Il y a un mmh. truc qui se fait, quoi. <laughs> c'est pour ça que c'est particulier. Toi, je crois que n'as pas la mise jour toi. <rire> <rire> je crois que je suis à enfin non mais c'est deux trucs différents. Enfin, j'ai oui. vu ces étoiles, euh, euh, justement qui a mis des tweets en hein, mode mais quoi. Mais je suis lui qui justement quand il lit il entend absolument rien. Il se parle pas spécialement. Euh, mais y a, y a, tu te parles ou pas dans ta oui, tête mais, bon, voilà. Oui mais c'est pas euh, c'est pas la, la temporalité de la parole n'est pas la même que quand je parle. Du coup j'ai pas l'impression que c'est en, entendu comme parole. C'est plus vu. Quelque part, tu vois ce que ah, je toi, veux dire. Ah, toi, ça se représente du coup euh, visuellement bah, plus qu'auditivement, quoi. J'ai plus cette sensace. Ok. Mais je ne saurais pas l'expliquer, tu vois. Euh, c'est bah, un, un peu mystique, tu vois. Clairement. Mais voilà, il je, n'y je... a pas, que... pas une voix, tu vois. C'est vrai qu'on nous dit, c'est marrant, enfin, euh, c'est un peu la différence entre auditif et visuel. Mm. Ça peut, j'avoue que c'est un peu discussion de comptoir, entre guillemets, oh, sur, oui, sur un ressenti. Marie-Zach, euh, vous êtes comment, vous Moi, c'est dans le taf. Quand j'écris un truc, euh, une chronique, par exemple, je, dans ma tête, ça va le lire automatiquement et que la voix. Euh, avec laquelle je le dirais. Par exemple, si c'était de la voix off, j'ai une voix euh, différente de quand je parle d'un truc à la télé. À la ouais, télé du coup, tu te, te l'anticipes dans la tête ouais. au lieu de le faire à voix haute. J'ai des voix tellement différentes, euh, que ce soit à la télé ou, euh, ou là maintenant, que ça l'adapte euh, direct. Okay. Ça me met dans ce bain-là. Ouais, ça te met une intonation déjà, ouais. un style euh, un peu de jeu. Intonation euh, télé, intonation radio, intonation voix off. Tu vois, c'est trois voix très très différentes, très identifiées et ça me permet d'organiser mes idées. Okay. ok. Mais ça saute fait automatiquement. C'est ça que ça fonctionne. J'ai à ça. peu près pareil sur ce qu'elle vient de dire. C'est-à-dire que par rapport à selon où je vais m'exprimer, ce que je vais dire, etc., la voix en moi, entre guillemets, va s'adapter. Et en plus, moi, je fais toutes les ponctuations et tout, genre. Genre, comme si tu moi-même le. Non, non je non. dis pas virgule. Ah, non, mais tu mets une pause. Par contre, je marque le temps. <laughs> ok, d'accord. Donc, quand je lis un truc, je marque le temps de la même manière que si, comme si je venais devant vous et je vous lisais un discours, tu vois. Mmh. Ok. Et donc, du coup, genre, je vais le point, la virgule, ça, machin, tout, tout va se gonfler. Ah, tu respectes tranquille. les temps. Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Mais parce que je trouve ça agréable, ça, 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 ça donne un peu de vie à, à ce que tu lis, tu vois. Genre je trouve ça agréable plutôt ah. que c'est pas juste euh, des phrases foutues sur papier, couchées en blanc et aucune personnalité tu vois genre je, je, je l'interprètes quoi Moi ouais, le... c'est ça je l'interprète ouais, exact, exactement et c'est plutôt pas mal mais j'avais lu après ça vaut ce que ça vaut mais apparemment quand t'as cette petite voix T'es limité à ce que cette voix va pouvoir te mettre dans la tête alors que quand tu lis sans voix apparemment tu peux lire beaucoup plus vite Genre je crois que c'était un bail, alors prenez parce que j'ai vu justement des réponses sur Twitter ça, le gars il disait en gros si t'as cette petite voix et eh ben, bah t'es bloqué tu par la ralentir. vitesse de celle-ci, et tu peux faire du 150 mots minutes, alors que sans cette voix, tu peux faire 300-400 mots minutes. Je vais vous parlais de ça, je vais vous parlais de cette temporalité. Genre moi, en gros, quand je pense à une phrase ou quoi, il n'y a pas du tout la même temporalité que le fait de la dire oralement, tu vois. Ah oui, et okay. donc du coup tu peux soit penser plus vite, soit penser plus lentement, soit... Ah mais c'est vous qui avez le DLC en fait. <laughs> Trop bien, vous... Non mais c'est vrai. Parce mais non, mais que du coup, moi, je n'entends pas de voix. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais lire un, un tweet. De... Ah nous, on entend un mec qui ne va pas vite, donc... <laughs> c'est au bout d'un moment. Non mais ça va plus vite que à dire, mais c'est... Je... Tu vois, par exemple, euh, ce que tu disais, Marie, sur euh, tu vas lire des trucs et en fonction de là où c'est dit, tu ouais. vas l'entendre dans ta tête différente. Moi, je n'ai pas ça, tu vois. C'est pour ça que je n'ai pas l'impression d'entendre ça. Un autre mais j'en ouais. parlais justement avec Théo, qui lui aussi a un autre truc. Et c'est assez, euh, assez marrant. Euh, Théo, toi, tu, 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 tu disais justement, quand, quand on en parlait, tu as une... c'est euh, ouais, alors c'est de l'imagerie euh, mentale. Mais toi, c'est beaucoup plus visuel encore, ça. Non, mais je sais pas parce qu'en fait, je me posais la question là en vous écoutant sur le truc de lecture. Moi, j'avoue que quand je lis, j'ai une voix un peu comme Ponce, qui va ultra vite, etc. Mais c'est vrai que quand je pense, j'ai pas une voix, quoi. J'ai zéro une voix, moi. C'est genre, c'est des. En fait, je serais même pas. Genre, tu me demandes de redessiner ce que j'ai vu dans ma tête. C'est des blocs un peu. C'est pas des images, mais c'est des schémas, gros. C'est genre, c'est des boîtes avec des flèches, quoi. Je sais pas, c'est bizarre. Lui, il trie les trucs. Bam, clac, ça fait. Il est déjà en mode. C'est incroyable. Ah ouais non mais, mais mais du coup par exemple Théo t'as jamais cette voix où euh, euh moi c'est con, j'ai beaucoup eu ça, tu vois, dans le sport, le tennis par exemple. Tu vois ce truc de me parler, de me dire, putain vas-y, allez allez, vas-y, c'est bon, ne pas, pas, vas-y le meilleur, vas-y tu dis, parles en vrai. Non dans ma tête, parce que tu sais que des fois quand tu dis les choses dans la tête comme ça, tu vas les dire à voix tellement basse qu'il y a que toi qui les entends. Donc des fois à des moments genre quand tu filmes quelqu'un qui fait ça, je pense quand tu parles par exemple personne m'entend. Bien sûr, mais je veux dire quand tu veux te motiver ou un truc comme ça, et ben tu vas des fois le dire à voix très basse et quand tu filmes quelqu'un qui fait ça, tu vois ces amis d'à Tu te rends pas compte parce que regarde, vraiment est-ce que ça te motive dans ta tête de te dire ah, le marathon, typiquement. Ha, ouais. Marathon, c'est que ça. Mm -hmm. Ah, c'est vrai. Tu mais vois, marathon, tout le long. Bon, ou... un marathon, tu vois. Genre, au tennis, est-ce que ça t'arrive de faire des. Allez, mets ça dans ta tête. Tu vois, genre en mode. Non, moins, Sans parce que dire, ça, c'est euh, un truc que ouais, tu veux ouais, montrer ça. à l'adversaire, tu sais. Ah oui. De mes... enfin, je... Après, je sais pas, c'est peut-être. Euh... Mais je crois que, ouais, je... Que je vois ce que veut dire Zach. Ou en gros, tu sais, tu, tu le penses ouais, tellement. C'est vrai, en gros, ça ça inter... fait un. Tu Let's go. C'est genre, mais ouais. tu vois que ça bouge, ça. Tu sais que fait. moi, j'ai ça à des moments, genre pas très voilà, hyper bas, tu vois même un peu dans ma tête, dès que je suis vraiment plongé dans les pensées, et ma meuf des fois elle me regarde, elle me dit, mais tu pars tout seul. <laughs> je... Mais voilà. Et ça. je dis, mais j'ai rien dit. Elle me dit, mais tu te rends pas compte. Et je lui dis, bah écoute. Euh... Mais le bon exemple, c'est peut-être le soir. C'est-à-dire que le ouais. soir, euh, parfois, genre moi, j'ai, par exemple, j'adore la SMR parce qu'en fait, la SMR me permet d'arrêter de penser. Et en fait, du coup, je mon cerveau se pose sur un truc parce que sinon, on continue. En fait, je vais penser à des trucs, etc. Tu vois. Mais, Et du coup, je ne suis pas en train de parler pas. là. Je, ouais. dans ma tête, je m'imagine les trucs de. Euh, bah, je voulais faire un voix haute, mais genre, euh, bon bah. Putain, on va faire quoi ouais, comme live, ok Du coup, il va y avoir ça, ça, ouais, après, ouais. ça serait cool de faire ça. ça. Et ce genre de truc, tu vois, je... bah, ma meuf ne m'a jamais dit, bon, t'es chiant. <rire> <rire> tu hurles en fait. <rire> <rire> le gars, il n'y <laughs> a pas lui <laughs> qui s'en rend pas compte. Là, <laughs> le live, là, live <laughs> c'est l'enfer mais, euh, mais c'est vrai que du, du coup, ce, ce, ce truc du soir par exemple dans votre lit tu vois de, de penser au truc, ça vous avez pas moi j'ai ça mais par contre c'est marrant parce que toi t'as l'air de le subir entre guillemets en mode il y a trop de trucs et je préfère non ça dépend ça des moments il y a des moments où t'es juste en mode euh... Ok, parce que moi au contraire ouais, j'aime bien ce truc tu vois d'un coup se poser et le cerveau va à ses idées et... mais par contre encore une fois là mon perso j'ai pas des voix j'ai plus des concepts des, ah, moi, images. Full des images voilà c'est ça. Moi, Genre, plus euh... ça le soir, quand je me couche, tu vois. Si j'ai envie d'être ah ouais, en vacances, il y a une île qui apparaît, quoi. Pareil, pareil. Ah ouais, non, moi, moi j'ai pas Ah, pu bah putain, pareil. Je suis incapable de genre me reproduire une image L'image, comme vous dites, mais je l'ai archi pas ça. Et parce qu'il y a un autre truc, alors ça, c'est à part et euh, c'est une maladie, mais c'est euh, fant la fantaisie. Oui. C'est des gens qui, alors eux, c'est très très poussé, mais qui ne sont, qui sont pas capables, en fait, tu le dis, une pomme, <laughs> Il n'est pas capable dans son cerveau de s'imaginer une pomme, ouais. tu vois. Mais ça, c'est vraiment euh, c'est autre chose. Mais Là, ça. du coup, il y a des gens, c'est les deux, mais je pense que c'est tout ce qui est imagerie mentale, etc. Ou bah, je pense qu'il y a ce truc de visuel, auditif. Mais c'est que comme toi, je j'ai pas du tout ce truc. Ouais, Marie, tu as ce truc, par exemple, euh, ouais, de penser vacances. Oui. Tu vas voir des paysages. Images, vas... ouais. Ok, d'accord. Mais je me demandais si c'est pas presque de la, euh, ce qu'on appelle la synesthésie quand tu entends de la musique, mais que du coup, tu vois des couleurs. Ah, ouais, ouais. Est-ce que c'est pas un début de il faut ça y avoir un truc un peu laid, ouais. Mais, mais vraie question ouais. pour se marier. Est-ce que l'image que vous voyez elle est persistante Parce que moi c'est pas du tout persistant. Par exemple j'essaye. Ah non, euh, non non c'est fugace. C'est fugace. Vois, mais je le vois une demi seconde et après il disparaît quoi. Non, ouais, tout oui, à fait. Et, et, et d'ailleurs si tu essayes d'y repenser c'est impossible de. Ce se sera jamais le faire, même. Ouais C'est passionnant ah parce que je je me doutais pas de ça et de vraiment moi je n'image rien du tout. Là si on un cheval là tu l'imagines Oui voilà oui sinon. Imagine, tu es euh, la veille de partir en vacances. Ouais, et euh, euh, ouais. genre, tu es, es dans ton lit, tu vas dormir et genre, tu as trop hâte de partir. Mm -hmm. Et tu t'imagines, tu vois, euh, un petit peu tes vacances en mode oh, putain, ça va être lourd et on mm -hmm. va là et tout. Est-ce que tu vois des images Non. Ah ouais, c'est plus textuel. Tu te textuel. vois mm. même pas toi non. dans le paysage Non, pas du tout. Ah ouais, ok. Mais okay. en vrai, je pensais qu'il y avait une. En vrai, je pensais qu'il y avait un... une espèce d'analyse ou un compte-rendu scientifique derrière et tout. Je m'attendais pas à ce que ce soit une discussion entre eux. Mais je sais pas. Euh... En fait, c'est propre à chacun, ils ont chacun leur dièse, tu vois. Moi, j'ai l'impression d'arrêter les... de penser, de reprendre le cours euh... au moment où, où j'y retourne, quoi un peu comme un rêve en fait pas le mais genre Ouvr. vraiment pas le moins du monde genre ah ouais, ouais. Que dalle. mais par contre tu vas penser dans ta tête j'ai hâte machin bah ouais, c'est ça OK d'accord j'ai ça a été énervé et tout ça va être énervé attention pareil <C 'est rire> que toi que tu sais J'ai l'impression qu'on est Tu à faire le vide complet <laughs> dont ce dont on parlait tout à l'heure ça traite pas de ça quoi ça va être lourd ça va être lourd Plage, <laughs> ouais, utiliser le permis, hein. <laughs> Où, le gros. Ah, tu te vois pas dans la bagnole en train de. Après, tu... <laughs> ah ouais putain. Oh là là. Non. Parce que moi j'avoue que c'est ce que je kiffe, tu vois, genre quand ouais. je pars dans mes pensées. Se bah, projeter du en compte, image, quoi. C'est ça, se projeter en images qui sont des images fugaces, mm. souvent pas si réelles que ça au final, tu vois. Et juste tu te projettes et le fait de te projeter, ça te hype encore plus, tu vois. Tu te vois dedans. Ouais, vais dire. C'est peut-être, mais en vrai, c'est super intéressant parce que c'est sur les différences de, euh, de perception qui fait que parfois tu vas plus ou moins comprendre. Je pense que par exemple, euh, ma meuf a beaucoup ça. Et tu sais, euh, du coup, justement, dans, dans cette phase d'anticipation, comme elle imagine beaucoup, elle peut beaucoup rester sur ce truc-là. Là où moi, je suis en mode... Euh, Bon, on va y être, ah bah, la <laughs> ça va être bien, donc, euh... enfin, on va parler mille on verra sur place, tu vois Mais c'est vrai que je pense que c'est des différences, en tout cas c'est super intéressant, parce que j'avoue que c'est les, les différences et les gens se sont rendus compte sur Twitter un peu que euh, bah, on est tous différents, quoi. Mm. mais qu'on mais qu se complète et tout, et, euh, et c'est vrai que c'est super intéressant, il faudra, faudra en parler avec un spécialiste aussi pour savoir ah ouais, exactement ce que ça veut dire. Ça et doit être tout. des zones du cerveau différentes ouais, pour euh, activés, un même truc. tout à l'heure je vous demandais en off « tu t'es foutu de ma gueule », mais c'est un vrai truc est-ce que vous pensez dans une autre langue des fois Oui, on t'a dit qu'on ne parle pas d'autres langues. <laughs> c'est ça, si la discussion T'as parlé en <laughs> espagnol, c'est pas le mito, mais putain mais tu, tu, tu penses dans une autre langue quand t'es bilingue Non, non, pas du tout. Euh, regarde, moi j'habitais un peu plus de trois ans en Allemagne. J'ai jamais été bilingue parce que bilingue ça voudrait dire vraiment. Euh, oui, mais t'es au quotidien dans un autre pays. Donc bah forcément. Oui, du, coup, ça, du coup, ça arrive. Oui, mais ça rêver fait, dans une coup, autre langue et coup, tout. Du coup, t'as des pensées euh, en allemand. Enfin, moi j'ai des pensées en allemand et des rêves en allemand. Tu vois. Non, mais ça je comprends. Par exemple, si je vis. je. ça doit être trop bizarre ça quand tous les matins je me réveille à Paris, je suis pas en mode oh là ma non, <laughs> je... non, mais... <laughs> <t 'étale>, là pieille. <laughs> tu vois c'est et si tu parles, pense c'est avec... lié à ça. Sauf si je rêve en anglais des fois. Mais pour rêver en anglais par exemple, il soit soit pratiqué, faut pratiquer quoi. Ouais. Je soit pense. faut habiter bah. en Angleterre, ah ouais. soit je pense beaucoup parler anglais. Tu vois, enfin, je ne sais pas. J'avoue que. Si je pense. Moi vrai. franchement, je parle vraiment bien anglais. Mais j'ai jamais pensé une seconde en anglais, sauf si je suis dans un contexte genre dans un autre pays ou quoi. Voilà c'est ça. Mais non, par contre, arriver tout seul, je vais repenser en français. Même si je suis à l'étranger. Ouais, bien ça. sûr. Ouais, 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 ouais. Franchement, je, le côté, ouais, euh, réfléchir et tout en langue étrangère jamais. Ouais, on me disait, t'as pas, as pas vécu en angleterre parce que j'ai vécu à Ashford mais là-bas, en fait, on était que entre français. Mmh. Donc tu parles que entre français. Donc au final, t'as pas ce truc de déconnexion. j'avais vécu avant pareil, ouais, trois mois où tu parles que anglais. Oui, c'est clair que tu as plus l'habitude de parler français, tout comme euh, euh, exemple con, genre Soaz, par exemple, qui est un joueur pro de League of Legends. Il part à Berlin pendant quatre ans, tu le réinterviews. Bon, bah le mec ne parle plus français quasiment parce qu'il a plus l'habitude, mais c'est mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui, qui ont ça et c'est ça qui est intéressant aussi. Mm -hmm. C'est que chacun est un peu différent, chacun ses, ses propres, euh, propres petits trucs. Et, euh, et euh, ma copine me parlait en, en espagnol la nuit, je comprends rien, Ah oui, <laughs> c'est vrai qu'on est tout différent, <laughs> incroyable. Bon, ok, mais pas vraiment de rapport avec, euh, avec ce qu'on disait tout à l'heure en vrai, hein. enfin, un petit mini quoi, mais. Euh... Mais pas le délire, genre, euh, t'arrives à te vider le crâne et à ne pas penser. C'était surtout ça la question. Mais euh, en vrai intéressant. Bon, chacun ses dièses quoi. Bon, les brozos, Qu'est-ce qu'on s'envoie là Est-ce qu'on torche le RE2 Est-ce qu'on ch est qu change de crémerie Est-ce que je coupe Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait en vrai Qu'est-ce qu'on fait en vrai

Vas-y, vas-y, tiens, regarde. Ça c'est mes yeux de devant. En vrai, euh, en vrai, j'irais bien regarder. Euh, j'irais bien regarder le match, euh, le match lol, le, le match lol cassé. Et puis, euh, et puis comme ça, on se finit, euh, on se finit euh, re 2 demain. Demain soir ou demain après. -m. Ça vous va ou quoi On fait comme ça On fait comme ça, les brosos on finit tôt euh, soir On a fini tôt hier ou pas On a fini vers minuit non Attends je suis en train de regarder ouais, Hier on a fini à minuit Vas-y on finit tôt soir on a fini vers 22 lundi, on a fini à 4h du mat mardi, <laughs> on a fini à minuit hier. Vas-y, on fait tôt ce soir. On peut faire ça en vrai. La COTD, euh, particulière. Particulière, frérot. Particulière, mais euh, sympathique. Béon, 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 bion. Bon, j'espère, messieurs, dames, que vous avez kiffé le live. Euh, Vas-y, on va s'attraper demain. Euh, bienvenue les nouveaux, merci les follow, tout ça. Merci les anciens pour votre présence. Euh, on s'attrape demain. Euh, on s'attrape demain. Je sais pas à quelle heure. En vrai, si je finis tôt là, il y a moyen que j'arrive tôt demain. Et demain, on se finit RE2. Demain, on se finit RE2. À partir de samedi, il y a Chosen qui est en full gaming. Ripin, il sera peut-être là demain. En vrai, vu qu'il se recale le, le, le soir ou je sais pas quoi. Euh... Vas-y, moi je comprends rien à son rythme. En vrai, euh... en vrai, je vais me, je vais me, t -mal match, euh... je vais me t -mal match, lol. Et puis, euh... et puis comme ça, je vais faire ma, ma petite story, mon petit peu et tout. En vrai, on aura fait du bon TM et on aura bien avancé RE2 tonight. Euh, Aujourd'hui, pardon. Euh, J'espère que ça vous a plu. Du coup, merci à tous d'avoir suivi le live. Et, euh... et en, vrai, euh... en vrai, on s'attrape demain. Et puis orgie de gaming tout le week-end. Et, euh... et puis voilà. Et puis voilà, voilà. On aura bien avancé avec... Léon Léon 8 heures c'est pas mal. En vrai, un petit 8h30, ouais c'est pas mal. Je pourrais finir plus tard, mais... Euh... En vrai, je vais ouvrir ma fenêtre, je vais me mettre à la fraîche. Et, euh... et comme ça, je vais faire ma petite story, mon découpage, et je vais regarder le match. Une journée de travail <laughs> sans heure <excite. rire> Oh l'enfer, mec. Les 35 heures, on les avait déjà bouclées hier. Hein. <laughs> oh putain de merde. <laughs> ah, moi, je compte les heures. Je compte les heures en me disant est-ce que je vous scam ou pas, quoi. C'est surtout ça, hein. en vrai. Ma hein. préoccupation. Bon, allez. Passy une bonne soirée, un bon jeudi soir. Demain c'est le week-end. Reposez-vous bien là, comme ça vous arriverez en week-end. Descende du coude dans le week-end là. Allez, demain dernier jour. Et puis après, euh... après c'est Orgie. Allez des bisous Prenez soin de vous A euh... demain Miam Soirée bonne les bros